Party every weekend out and about. Then we had no cash, we had no doubt. Staying up all night and playing music loud. I look back, these were the days. We were in a happy, happy place. And all the years since we hung out, you took off and left this town. Suddenly you're here, an eternity since we were together. I believe you're here, and I'm falling in love again. But baby, you're the same girl as you used to be. Love the way your eyes shine bright in me. You're the very same girl, look at that smile. Though I haven't seen you for a while. Got the fortune and the fame. Everyone around you knows your name. Always gonna be, always gonna be. Same old girl to me. Be the same old girl to me. Bon, comme vous le voyez, bébé Gabin a tellement, est tellement sage que j'ai eu le temps ce matin de me préparer, m'habiller, me maquiller, voilà, enfin, je fais ma petite vie tranquillou. Là, il vient de manger. Et en fait, vous avez été nombreuses à me demander hier pourquoi je mets mon réveil la nuit, en fait, pour le réveiller et lui donner à manger. Et en fait, c'est parce qu'il est considéré comme prématuré. Donc, du coup, comme il est vraiment très petit, il fait 2,5 kg, on est obligé de lui faire prendre du poids au maximum. Donc s'il attend plus de 3 heures, il risque de perdre du poids. Et là, le but, c'est qu'il en prenne. Donc du coup, jusqu'à ses 3 kilos, on est obligé de se réveiller toutes les nuits, enfin toutes les 3 heures, le réveiller. Ça me fait mal au cœur, mais oh, alors. Et du coup, bah voilà, quand il aura atteint les 3 kilos, bah, ce sera bon, on pourra le laisser dormir et puis attendre d'être réveillé par lui quand il aura faim. Bon, du coup, je vous reprends dans l'après-midi. Voilà, j'ai refait le rituel, couche, biberon. Gabin est reparti normalement pour dormir pour 3 heures. Il est sage comme tout. Voilà. Donc, du coup, bah, je me suis dit que c'était le moment de vous montrer un petit peu les colis que j'ai reçus là dernièrement. Donc, en premier, j'ai reçu ma commande avril que j'avais faite sur Beauté Privée. Je vous avais partagé d'ailleurs tous les bons plans. À chaque fois que j'ai des petits bons plans, je vous les partage sur Insta Story, parfois Snap aussi. J'essaye de... Voilà, je suis plus Instagram, mais j'essaye aussi de faire Snap parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, il y en a qui ont Snap, etc. Bref, j'ai reçu ma commande. Donc là, je me suis repris deux shampoings parce que vraiment, j'ai été satisfaite, je les ai. Et j'ai été très satisfaite des shampoings, shampoings bio. Donc Avril, c'est une marque de cosmétiques bio. Hein. Donc j'ai pris les shampoings, moi, à l'huile d'argan et c'est pour les cheveux abîmés. D'ailleurs, je trouve que ça va mes cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai rien fait de spécial. Du coup, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de bain d'huile, etc. Et je trouve que ça va. Alors maintenant, j'attends, j'ai peur, hein, parce qu'on dit toujours qu'après un accouchement, très souvent avec la chute des hormones, il y a une perte de cheveux. Pour l'instant, pas encore. Mais bon, je pense que c'est normal, hein, ça devrait arriver peut-être par la suite. Mais pour l'instant, je trouve qu'ils ont repris même du poil de la bête. J'y trouve plus... Je sais pas. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Bref, pourvu que ça dure. Ensuite, j'ai pris un gel douche. Donc pareil, gel douche, crème de caramel d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore senti, je vais le sentir. Ouais, ça sent bon. Ça sent pas forcément hyper fort le caramel, mais bon. Au moins, c'est vraiment du gel douche bio. Et pareil, essayer de faire attention à ce que je mets sur mon corps petit à petit. J'ai repris deux déos parce que moi, les déos Avril, j'en ai déjà eu. J'ai été satisfaite. Donc déo, vous pouvez y aller, c'est bon. Alors là, j'ai voulu tester, j'ai pas encore ça, j'ai jamais testé, c'est de l'huile démaquillante. Je sais que je prenais celle de chez Melvita, je l'ai terminée, j'ai adoré. Donc du coup, je me suis dit, on va tester celle de chez Avril, qui est moins chère que celle de Melvita. Donc ça, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Moi, je m'en sers sous la douche, en fait, quand je me lave. Voilà, je lave mon visage avec de l'huile démaquillante et c'est super, comme ça, ça fait d'une pierre deux coups, ça évite d'utiliser des cotons, etc. Ensuite, j'ai voulu tester un petit peu des cosmétiques, enfin des rouges à lèvres Avril. Donc là, juste avant de filmer, du coup, je viens d'en mettre un, j'ai mis celui-ci qui est la couleur griotte. Donc en fait, j'adore, c'est sous forme de crayon à lèvres et j'aime bien, franchement il marque super bien, à voir s'il va tenir. Donc là j'ai pris trois couleurs différentes. J'ai repris le fond de teint, alors là je regrette un peu, hein. J'aurais peut-être pas dû parce que finalement le fond de teint, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu... C'est le seul truc de chez Avril que j'aime le moins, je trouve il me fait pas mal de traces, etc. Donc le fond de teint, bon,
j'utiliserai quand même peut-être parce que c'est du bio et c'est toujours bien d'avoir quelque chose de bien sur son visage pour... Niveau maquillage, c'est surtout le fond, le teint moi, que je veux faire attention. Donc voilà, à part l'histoire des petites traces que j'avais là, on verra si ça va continuer. Mais bon. Ensuite, j'ai repris un anti-cerne. Celui-ci, je l'ai déjà depuis des années et je l'adore. Donc j'ai pris la teinte nude. Il est très bien. Et j'ai repris une poudre, cette fois-ci en doré. Et la poudre, pareil, je l'aime beaucoup. Je l'ai aussi. Donc ça, je sais que c'est une valeur sûre aussi. Ensuite, pour terminer, pour passer à autre chose que de la beauté maintenant, c'est plus des bijoux. Et j'ai reçu, comme tous les mois, ma box de chez Emma et Chloé, qui est une box bijoux en fait, un bijou surprise de créateur. Et comme vous le savez, celles qui me suivent depuis un moment, c'est une box que j'adore. Et honnêtement, c'est une de mes préférées d'ailleurs qui arrive chaque mois. Donc là, le petit bijou surprise de la box, bon je l'ai déjà ouvert, alors du coup c'est plus une surprise pour moi en direct, hein, mais je suis trop contente comme d'habitude. Je suis jamais déçue en fait de cette box, les bijoux sont toujours hyper à la mode et trop jolis. Donc là j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles comme ça dorées, elles sont canon. Donc vous, en vous inscrivant vous pouvez choisir un doré ou argenté, moi c'est vrai que j'adore les bijoux dorés donc j'ai demandé à recevoir du doré. Donc voilà, boucle d'oreille, j'adore, franchement elles sont vraiment canon, elles sont légères. Et normalement voilà, j'ai le petit livre avec, donc la box coûte 22 euros il me semble. Et en fait, vous avez toujours un bijou qui vaut beaucoup plus. Waouh, ah ouais j'avais pas vu le prix. Donc là on a le prix, la valeur des boucles d'oreilles, elles sont vendues 75 euros. Donc pour une box à 22 euros, vous avez des boucles d'oreilles à 75 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Donc en plus de ça, j'ai un code promo, avec, je vous le note ici, je vous le remets dans la barre d'infos, mais avec mon code promo, vous avez votre première box à 10 euros. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup et moi j'adore, c'est vraiment une box, je vous le dis, c'est ma box préférée, franchement, niveau bijoux, j'adore, je suis jamais déçue. Donc ensuite, après la box bijoux, hop, on a reçu... une box, ben là la deuxième là, c'est la Beautiful Box. Donc la Beautiful Box là c'est une box de cosmétiques bio, vraiment à chaque fois tous les mois on a 5 produits certifiés bio etc. Et à chaque fois il y a un thème, donc c'est vrai qu'il y a déjà eu des thèmes que j'ai moins aimé, genre le thème pour les mains parce que moi je prends pas forcément soin de mes mains, du vernis machin, et, voilà je mets juste de la crème pour les mains le soir et puis c'est tout. Et là par contre c'est une box qui m'intéresse vraiment parce que oh, j'ai eu deux fois le jeu de cartes. Parce qu'en fait c'est une box cheveux et c'est exactement les produits que je suis en train vraiment de chercher en ce moment, des produits bio pour les cheveux, donc trop contente de pouvoir tester. Donc là en premier on a une brosse en fait de la marque Beautiful Box, et ces brosses là je sais que voilà, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, c'est des brosses anti-casse, elles sont en matière pour pas, voilà, pour pas casser le cheveu, donc je suis trop contente. Donc là je suis super contente aussi parce qu'on a un shampoing solide et les shampoings solides ça marche trop bien. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 2 mois ça où j'avais fabriqué moi-même mon shampoing solide, sauf que bah, j'ai pas pris le temps de le refaire et là je suis trop contente, je l'avais fini, c'était vraiment, je sais pas, j'ai adoré en fait. Par contre on dirait un savon shampoing solide, ça n'a pas du tout la même texture que quand j'avais fabriqué, mais à tester, franchement je suis trop contente, les shampoings solides ça marche bien. Ensuite, on a un après-shampoing de la marque Fitema. Donc là, je vois que c'est à base de noix de coco. Donc pareil, c'est certifié bio, made in France, à base de coco, karité, argan, baobab. Oh, j'ai trop hâte. Alors là, trop bien. Donc après-shampoing, démêlant, protecteur. Je pense que c'est une de mes box préférées pour l'instant, de celles que j'ai reçues parce que... Ouais, vous me connaissez, hein, les cheveux et moi, je suis tellement accro aux cheveux que là, elle est faite pour moi. Ensuite, là, la marque La Farée. Alors, je sais que c'est une très bonne marque. J'ai déjà eu des produits pour le visage La Farée. Très contente. Donc là, je vais pouvoir tester un de leurs produits pour les cheveux. Un spray cheveux à base d'huile coco, amande et avocat. Soin éclat anti-frise. Donc, il faudra que je regarde. Mais de toute façon, dans les box, vous avez toujours un jeu de cartes, en fait. Avec sur chaque carte, vous avez le détail de chaque produit avec son prix de vente, avec... ses compositions, avec les conseils d'utilisation, etc. Donc ça vaut... Voilà, je vais ça à lire. Hein. Après, vous prenez le temps, vous lisez chaque petit produit. Et là, je suis trop contente aussi. La Farée, voilà. Certifiée aussi EcoCert. De toute façon, cette marque-là, je sais qu'elle est super.
Et en dernier, on a... c'est tout des full size aussi, voilà, dans la Beautiful Box. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de... Parce que honnêtement, j'ai déjà testé les Birchbox ou autre. Des fois, on a des petits testeurs, en fait. Et là, Beautiful Box, c'est vraiment tout des produits grand format. Donc là, 150 ml, c'est quoi? Un soin primer intensif Karité Riz. À voir, et c'est vegan. Cosmétique vegan pour tout type de cheveux abîmés, donc parfait. Donc là ils disent avant shampoing, donc ça, moi c'est ce que je fais souvent, mes bains d'huile etc, je laisse toujours poser sur tous mes cheveux et après je fais mon shampoing et après je refais un masque. Donc là ils disent de le laisser poser avant shampoing afin de bénéficier des propriétés de soins appliqués sur cheveux secs et laisser poser 5 minutes ou soit après le shampoing, voilà, vous avez le choix en fait, avant ou après. Génial, donc cette box là, je suis trop contente. Je vous mets le lien de Beautiful Box dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais maintenant, enfin, je m'intéresse plus aux produits bio, donc je suis plus satisfaite de découvrir vraiment des produits bio comme ça dans des box bio. Et on continue avec un dernier colis qui est le colis, le sac de Mom to Be Party. Donc ça tombe trop bien. En plus, c'est marrant parce qu'ils m'ont contacté pour m'envoyer le sac, avoir mes coordonnées. Et j'avais pas encore accouché, enfin c'était la semaine dernière, voilà, je reçois le sac après avoir accouché, donc en étant vraiment maman, c'est génial. Donc, alors, je vais découvrir avec vous parce que là du coup je n'ai pas du tout ouvert. Ils m'ont juste envoyé, j'ai vu ça en plus du sac, apparemment c'est une nouveauté Clarins, un éclat minute embellisseur lèvres. Génial, donc ça faudra que je teste. Il y a une petite enveloppe à mon nom en plus. Mais c'est trop cool, franchement j'adore les gens de colis comme ça, personnalisés avec le prénom. Voilà, on voit qu'ils ont vraiment pris le temps d'envoyer à chacune un petit mot personnalisé. Enfin voilà, je lui lirai ça après, c'est trop cool. Donc on va découvrir ensemble le sac. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mom to be party. Hop. Il est imperturbable cet enfant. Il est en train de dormir là, vous voyez. Hop là, je le mets ici parce qu'en fait il y a un petit teint, je sais pas. Il est à la maternité, il était à la limite d'avoir la jaunisse limite. Hein. Mais le taux n'était pas assez élevé pour dire qu'il l'avait. Mais on m'a conseillé de le mettre à la lumière en fait, à la lumière du jour pour éviter ça. Donc du coup bah, il dort sur son petit doumeau comme ça, tranquillou. Et j'ai l'impression que ma voix en fait quand je parle ça l'apaise. Parce que quand j'ai commencé à filmer il était pas encore tout à fait endormi, il était en éveil agité on appelle ça. Et en fait dès que je parle, hop, ses yeux se ferment, c'est génial, voilà. Je vais lui mettre en boucle mes vidéos YouTube, peut-être ça va l'apaiser encore plus. Non, il est déjà bien apaisé. Donc, allez, bah, je vais laisser comme ça, comme ça, vous voyez le petit gabinou derrière, s'il est pas sage, je me fais tout. Mais il n'y a pas de doute. Normalement il est toujours sage. De toute façon en fait je veux l'habituer au bruit, c'est ça en fait. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui vient et je veux pas faire chut chut, attention il dort. Je veux vraiment, enfin, pour pas qu'il confonde les nuits et jours, voilà, la journée il faut qu'il soit habitué au bruit, à la télé, au déballage de colis, à nos voix, etc. Je veux vraiment pas en faire un enfant trop couvé, même si j'ai trop envie de le couver, mais non, vraiment je vais essayer de pas être trop voilà, vivre normalement. Alors tout est très bien emballé, trop cool, trop trop cool. Alors, oh là là, déjà il y a un produit qui vient de tomber là du paquet de la marque Velleda. Et Velleda c'est, j'ai pris tous les produits de bébé, moi j'ai acheté Velleda, donc je sais que c'est vraiment des marques de très bonne composition. Donc là qu'est-ce que c'est, une huile corps Velleda. Alors c'est pour bébé ou c'est pour maman? Je crois que c'est pour maman. C'est cool. Parce que c'est vrai que j'ai acheté tous les produits bébé mais j'ai pas forcément pensé à moi. Alors conseil d'utilisation, appliqué sur la peau encore humide en soin quotidien pour garder la peau, enfin sa douceur, sa souplesse, sa vitalité. Voilà, ah bah c'est génial. Voilà, il pense aux mamans. Trop bien. Donc là, j'ai envie de sentir en fait. Je suis trop pressée mais... J'ai envie de sentir l'odeur. Moi j'adore, je fonctionne aux odeurs en fait avec les... Hop, elle est un petit peu orangée. Oh, ça sent bon. Ça sent l'orange. Bah ça sent l'orange. Clairement,
Je sais pas, j'ai pas fait attention. Mandarine, d'orange et de pamplemousse, voilà. Et c'est à base d'huiles essentielles, donc c'est génial parce que maintenant que j'ai accouché, je peux utiliser, réutiliser des huiles essentielles, ce qui était un petit peu déconseillé quand même quand on est enceinte. Donc là, parfait. Alors ça c'est génial parce que maintenant que j'ai accouché, je peux réutiliser tout ce qui est huiles essentielles, je peux remanger de la viande saignante, voilà, c'est trop cool, je me dis c'est la libérée délivrée. Ah alors ça, trop contente, ça tombe à pic, c'est un biberon MAM. Donc pour celles qui me suivent déjà depuis avant, enfin pendant la grossesse, j'ai acheté les biberons MAM, c'est parfait. Ça en fera un, parce que c'est vrai que les biberons, en fait, peut-être en avoir plusieurs avant de les laver, etc. Et c'est cool, parce que les petits formats comme ça, du coup, j'en avais qu'un ou deux, je crois. Donc, génial. En plus, vous m'aviez dit, ouais, t'auras pas assez avec un. Je suis trop contente. Vraiment, c'est pour l'instant, deux produits et deux sans faute. Alors, là, on a une petite marionnette pour le gardeur, ça va être trop mignon. Voilà. Dans ce sac, il pense autant aux mamans qu'aux enfants. Oh, trop fort. Voilà, une marionnette avec un petit miroir, tiens. C'est cool. Alors, pour l'instant, je sais qu'ils ne voient pas encore très bien. On m'a dit que les bébés, au début, ça voit pas, ça voit à 20 cm, il me semble. Je ne sais pas trop à partir de quel âge ils commencent à bien voir ce qui se passe. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puisque je ne sais pas encore tout ça. Ah, une marque aussi que je vois beaucoup passer sur Instagram, les couches June, je pense que ça s'appelle, J2ONE. Alors déjà de une, elles sont superbes parce qu'il y a toujours des motifs assez sympas. Et de deux, je sais que c'est des bonnes compositions parce que moi, tout ce qui est couches, pampers, tout ça, je sais très bien qu'il faut éviter. Et j'ai beaucoup entendu parler justement des couches June. Donc c'est spécialiste français de la couche. Non, trop contente. Mais il va être trop mignon là-dedans. Oh là là. On aurait même presque peur de leur mettre pour pas qu'ils salissent tellement. Elles sont trop belles. Donc là, il y a plusieurs tailles. Hein, je vois un 3, un 4, un 5. Ce sera pas pour tout de suite. Parce que vu que Gabin est tout petit, même les couches vraiment les plus petites, elles lui font... Elles sont un peu grandes, hein. Donc c'est cool. Ça, je suis trop contente, elles sont magnifiques. Ensuite, là, je vois un gel matifiant SPF 50 section. Donc génial. De toute façon, ouais, indice 50, c'est indispensable. Déjà, rien que moi, je sais que je me mets toujours de l'indice 50 sur mon nez parce que mon nez, c'est là que j'attrape tout le temps des coups de soleil, j'ai des rougeurs et que ça pèle, hein. Donc voilà, c'est la marque SVR que je ne connaissais pas du tout. Donc ce sera une découverte pour ça. Ensuite, mais c'est pas fini. June, trop bien. Donc c'est la même marque que les couches. Et là, c'est des lingettes. Donc ça, c'est top. Celle-ci, donc moi, je vais plus garder ça pour l'extérieur, en fait, pour mettre dans le sac à langer. Donc là, à la maison, ils m'ont appris à nettoyer avec des compresses et de l'eau à la maternité. Donc voilà. Ça, je vais garder pour vraiment à l'extérieur, pour dans les cas d'urgence, on va dire. Mais je sais que du coup, c'est une très bonne marque. Alors là, je vois René Furterer. Je sais aussi que c'est une très bonne marque en pharmacie. Pour les cheveux, crème de jour, hydratation cheveux. Alors ça, je savais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce produit. Je sais que j'avais le soin René Furterer qui était très bien. Mais là, du coup, je connaissais pas ce produit crème de jour, hydratation. Donc apparemment, conseil d'utilisation, répartir quotidiennement une noisette de crème sur la longueur, cheveux secs ou essorés sans rinçage. Donc à tester, à voir. Alors, c'est pas fini, qu'est-ce que c'est que ça? Minimap, Marseille en Provence. Petite, mon premier mini carte à colorier. Alors ça, ce sera pour bébé du coup. Ah oh bah cool, bon ce sera pas pour tout de suite du coup parce que là, hein, il vient de sortir du ventre il y a 5 jours, je pense pas qu'il saura tenir un crayon dans ses mains, mais c'est cool du coup, je vais garder ça pour plus tard. Alors on a un petit pochon, Minty Wendy Jewelry, un bijou, ah, qu'est-ce que c'est que ça, je sais pas du tout, ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire, ce sont des bracelets, matière un peu silicone comme ça. Et puis du coup, bah, ça s'adapte bien. Alors bon, ça c'est pas trop mon style de bracelet que je mets, mais
à voir, ou même j'offrirai peut-être à une amie. Et le dernier produit, qu'est-ce qu'on a? Un produit de chez Caudalie qui est une huile de soin démaquillante, raisin et amande douce. Huile de soin, alors comme je vous disais tout à l'heure, je me démaquille qu'à l'huile maintenant parce que je trouve ça tellement pratique sous la douche. Pas besoin de coton. Donc voilà, bah c'est génial, j'aurai une deuxième huile à tester. Et franchement, les huiles pour démaquiller, mais c'est la vie quoi. Oh, moi je peux plus faire autrement qu'avec ça. Donc trop contente, franchement, et le sac il est juste parfait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je crois que le sac, on pouvait le choisir, il y avait deux couleurs, il y avait couleur corail ou couleur jaune. J'avais envie de jaune, voilà, je me suis dit c'est bientôt l'été, j'avais envie de soleil. Mais vraiment que des bonnes marques quoi, Velleda, MAM, John, enfin June, voilà, j'ai du mal avec l'accent anglais. Et des trucs à tester vraiment sympa, donc vraiment très satisfaite. Alors l'idéal c'est que maintenant que ma grossesse est terminée, je peux reboire du café à volonté. Donc là j'utilise la Senseo, la dernière que j'ai reçue c'est la Switch de chez Philips. Donc je l'ai reçue grâce à... Elle m'a été offerte grâce à Autoli. Et oula, j'ai pas attendu assez longtemps, j'ai fait tomber une goutte. Et c'est génial parce que c'est le système où vous pouvez choisir soit une dosette ou soit quand vous êtes à plusieurs en fait, il y a aussi la cafetière pour faire du café à plusieurs, donc génial. Donc voilà, je me suis fait ma petite dosette et je vais me faire mon petit goûter, je suis trop contente. Et donc je me suis acheté le Senseo Cappuccino Caramel, une tuerie. Franchement c'est vraiment une tuerie, c'est trop bon. Rien que le paquet ils sont trop bons. J'ai hâte de pouvoir re-savourer mes cafés, mes thés, etc. Parce qu'avant j'avoue que je faisais attention, je limitais quand même à 2-3 par semaine pour dire de faire attention à voilà, pas trop de caféine pendant la grossesse. J'ai bien fait parce que bébé a l'air très calme du coup. Bon du coup c'est parti pour le petit goûter. Je me suis fait mes petites tartines de Nutella, mon petit café. Là je vais du coup vous monter, vous faire le montage du vlog que vous aurez vu hier. C'est le vlog de la sortie de maternité et j'ai mon fils à côté. Si c'est pas la belle vie, franchement. Franchement je pensais pas que ça serait aussi facile entre guillemets. Je m'attendais à rentrer, à déborder, épuisée, machin. Je sens la fatigue, hein. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu quand même... Je sens que mon corps, en fait, ma tête ça va, mais mon corps il a du mal à suivre. En fait, j'ai l'impression d'être courbaturée de partout, en fait. C'est ça, j'ai encore un petit peu de montée de lait, là. Bon, mes seins, ils ont dégonflé, mais je ressens encore un peu de douleur ici. Bon, en bas, je vous cache pas que la douleur... C'est pas évident parce que j'ai eu quand même forceps, etc. épisio, large. Voilà, je vous passe les détails. Donc je marche encore un petit peu comme une mamie et j'ai du mal à m'asseoir et à me lever. Mais ça va quoi. Enfin, le rythme après, bébé me le rend bien. Je pense que vraiment j'ai un petit ange. J'ai un petit ange. Oh, mais elle est énervée. Attends. Alors. Alors, Izzy. Je sais pas là. Alors, c'est qui ça? C'est qui? C'est qui? Qu'est-ce que c'est ce bébé? Qui c'est? Qui c'est? Regarde ici. Qui c'est le bébé? Qui c'est mon chien? Oh! Ça crie? Ça pleure? C'est bizarre, hein? On dirait qu'il veut pas regarder. Ouais, il veut pas. Non, non, non. Regarde. Bon, regarde. Elle ligne. Bon, et trouillarde. Bah, t'y fais, hein. Il va faire partie de ta vie maintenant. Ah, papy et mamie qui sont venus voir leur petit-fils. Qui est sage comme d'habitude. On ne l'entend pas. Petit chien. Ouais. Bah il va bien. Je croyais lui apprendre une chanson, mais il n'a pas envie. Imperturbable. Et bonnet. Sous mes bonnets avec. Bon, je vous retrouve au soir. Il est 22h30.
J'ai préparé un petit gratin, donc on va se manger un petit repas. C'est vrai qu'on est un peu décalé nous par contre dans nos repas. Alors comme vous l'avez vu, hop, Izzy est de retour à la maison et ça se passe pas top top en fait. Enfin, elle dit rien, elle l'ignore en fait, mais elle veut plus m'approcher moi. Trop bizarre. En fait, je la sens vraiment toute hésitante. Elle est pas, je sais pas, elle est pas comme d'habitude. D'habitude, ouais, elle va me sauter dessus, etc. Mais là, je me m'accroupis, elle n'ose pas trop venir sur moi. Donc j'espère que ça va passer. Et bébé, bah, en fait, elle ignore complètement gamin. Elle fait comme s'il n'existait pas. Si on veut, vous l'avez vu, hein, si on veut l'approcher, elle va tourner la tête. Bon, vaut mieux ça qu'elle soit méchante. Mais je pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation. J'ai peur. Bon, sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser. Là, j'ai une tête un peu plus fatiguée le soir. Comme ça on va se manger le plat et puis j'ai pas mal de trucs à faire encore à l'ordi en fait que j'avais prévu de faire aujourd'hui et finalement ben c'est vrai que ça prend du temps de s'occuper de bébé plus je vous ai fait le vlog, j'ai fait le montage etc et puis ben. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, j'espère demain, hein. J'essaye de continuer tous les jours, je pense que si hein, ça devrait aller, donc à demain pour un nouveau vlog.